Alors, Arshav, on a une question d'une personne qui nous dit Rav, ben Adam, je suis au Seyd Boudedout Kolium, Vayalo, Yaldout Kasha, Baruch Hashem, quelqu'un qui fait tous les jours mais qui a une enfance difficile, qui sait que tout est pour le bien, Shir Yodé Hachakol Letova, Vemode, Alkol Prat, Vemode, Val Alachesronot, et donc une personne donc, qui remercie pour chaque détail et qui remercie même pour les manques, doit-elle faire Ishtadlout tout de même, Aïm, c'est la sortie Ishtadlout, alors qu'elle sait que tout vient d'Hachem, la moitié Shir Yodé Hachakol Mehachem, et si oui, faire Ishtadlout jusqu'à quel point, Veim la sortie Ishtadlout, Adézekvoul, Toda Rabba. Bah, Ishtadlout les mains. Alors, Ishtadlout sur quoi? קודם כל ככה, שאני שמח מאוד, קודם כל, שאני זוכה כבר ברוך השם. ברוך השם, לא רב, יתחזרו, 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 זה על הפרסנה, מריד בכלל על הזבלדות. ממש, להגיד לקשבוך ברוך השם, כל מה שעברתי כשהייתי קטנה. איפה דיר, מטר ג'מות, tout ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. ככה רצית. Comme ça, tu as voulu. אומנם אני לא מבינה. C'est vrai que je comprends pas pour autant. Pourquoi j'ai dû passer une enfance si difficile? Mais c'est ta volonté, merci beaucoup. Alors maintenant, ça veut dire que ça s'appelle que si elle fait ça, ça s'appelle qu'elle a la foi. J'ai pas compris sur quel Ishtadlout on parle précisément, c'est difficile de répondre, de cacher la... Envoyez, vous précisez-nous, madame, sur quoi vous voulez faire Ishtadlout, et le Rav sera un plaisir de vous répondre.